Je ne parlerai pas de l'explosion du 4 août 2020. Il n'y a pas de mots. Trop de bruit. Trop de silence. Il y a des morts. Quand il y a des morts, il n'y a plus de mots. Un haïku peut-être. Des sonorités qui balbutient. Je ne peux parler de l'explosion du 4 août. Il y a le visage de cet enfant. Dans l'entretien télévisé avec son père, on voit ses jouets. Ses jouets sont restés pleins de couleurs. Que fait-on des jouets des enfants qui ne sont plus? Des couleurs? Du temps qu'il reste à vivre? Qu'en fait-on? Son papa parle d'elle en utilisant un surnom, ceux-là avec lesquels on appelle les enfants, sorte de diminutif, souvent plus long que le prénom, pour dire combien on les aime. Alixou. Ce n'est pas pour faire plus court, ça n'a rien à voir, c'est pour dire très fort et sans hausser la voix combien on les aime, pour dire cet amour immense et insensé. Ce 4 août, il y a eu Alixou et ses jouets qui restent, toutes ces maisons cassées, ces vies. Alors quoi dire? Quel mot? Pour faire quoi? De l'explosion du 4 août, je ne peux rien dire.
C'est de la crise économique et financière, comme on dit, que je voudrais parler. Non pour prouver la catastrophe qu'elle induit. Pas besoin de rappeler le danger sur la qualité de l'éducation, de la santé, des conditions de travail et de tout ce qui fait que l'on ne peut plus vivre ni grandir dans un pays, mais juste survivre, si l'on est chanceux. C'est d'autre chose que je voudrais parler, quelque chose d'invisible à l'œil nu, de dérisoire, et qui pourrait sembler indécent, oui, indécent, quand survivre est considéré comme un exploit et un miracle, quand fermer une fenêtre est impossible car elle n'existe plus, quand les solidarités du monde se conjuguent pour que certains, pour que beaucoup puissent avoir un repas. Je voudrais parler de ce qui peut sembler indécent et dérisoire et pourtant fait de nous des humains. L'usage subtil de l'inutile. L'évolution d'Homo sapiens le prouve. Ce qui fait de nous des humains, au-delà de notre capacité à coopérer, à comprendre l'autre, à prendre soin de lui, c'est notre capacité à traiter avec des symboles, c'est-à-dire avec ce qui peut paraître dénué de sens. Ce que l'on fait pour rien, gratuitement, juste parce que c'est beau. Le petit prince l'avait compris. C'est sûrement utile, puisque c'est joli. Un bouquet de tulipes, une toile, une bague ou un cadeau à ceux qu'on aime. L'élégance, le soin des choses, la musique, la danse et tous les arts sont inutiles. L'inutile est nécessaire. Il fait de nous des humains. Dans cette crise économique et financière, comme on dit, me revient le souvenir d'Alexandrie. Ville magnifique au bord de l'eau, anciennement raffinée, mais dont les bâtiments, les femmes, les hommes sont aujourd'hui délabrés. Un objet trivial, sans lien apparent et qui peut sembler ridicule me ramène à Alexandrie. Les accoudoirs fatigués des fauteuils gris du salon. Ces accoudoirs, je me serais hâtée de les changer en d'autres temps. Un jour, je ne verrai même plus qu'ils sont à remplacer. Un jour, on se met à notre insu à vivre dans ce qui est usé, abîmé, vieilli, défraîchi, sans même s'en rendre compte. Ne s'achète plus de livres. Visiter une librairie ne fait plus partie des habitudes. On n'offre plus de cadeaux comme on aime à ceux que l'on aime. Plus de colliers pour se faire plaisir, ni de bouquets sans maison. On s'accommode, on ne voit plus. Le cerveau de Sapiens s'adapte. Là est une autre de ses capacités. Heureusement, dommage. Par quel geste commence la dictature ? Demande Michel Rocard. Ce presque rien, pourtant essentiel, comme dit le philosophe Yankelevitch. Par quel geste anodin au départ commence à se défigurer les femmes, les hommes, les bâtiments, les villes et les vies ? Par quel geste disparaît l'élégance et commence ce que l'on ne souhaite pas ? Par quel geste disparaît l'inutile, ce qui subtilement fait de nous des hommes et des humains. Par quel geste devient-on ce qu'est devenu Alexandrie et qui ne lui ressemble plus ?